la base, nous, de travail. C'est donc le scénario. Si tant est que ce soit possible, on aime bien que les producteurs nous envoient des versions abouties, enfin, qu'ils pensent abouties. Nous, on n'a pas d'avis quand on les reçoit, avant de les lire. Mais ça, c'est pas rare de se voir... De se voir envoyer plusieurs versions à plusieurs semaines d'intervalle. C'est jamais très bon. Enfin, en même temps, on n'est pas... on se vexe pas, il n'y a pas de souci. Mais comme on en reçoit 400 par an, si chaque producteur nous envoie trois versions de son scénario, là, on est quand même un peu embêté. Nous sommes plusieurs à lire ces scénarios, à savoir un comité, enfin, j'aime pas bien ce nom, enfin, des gens, des lecteurs qui lisent pour la filiale, au nombre de 10, avec des profils différents, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, plus vieux, enfin voilà, avec des regards différents. Pascal Sénéquier, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui s'occupe de l'accueil des projets, donc qui lit, et moi aussi qui lis, puisque comme je vais au final prendre la décision, il vaut mieux avoir lu les scénarios pour s'en faire une idée. L'antenne n'intervient pour ainsi dire pas. C'est très clair. Nous sommes conscients et assez adultes pour, fournir intelligemment cette antenne que nous entraînons à chaque fois. Dans une coproduction, hein, puisqu'il y a toujours une parentaine. Donc, on essaye de leur fournir à la fois du prime time, des prime time populaires, chics, qui marchent bien, enfin, en tout cas qui aujourd'hui, dans une configuration difficile, se défendent plutôt bien pour les films de la filiale de France de cinéma, et puis des films de seconde, et aussi de troisième partie de soirée, indéniablement. Nous faisons parfois des premiers films, et pas que des premiers films avec des sujets certes singuliers, mais un peu difficiles, assez pointus, pas trop, mais quand même pointus. Je vous donnerai l'exemple du premier film là, de Eva Ionescu, pour se raccrocher un peu à l'actualité du moment, à la semaine de la critique qui s'appelle My Little Princess. Il est évident que ce genre de film pour nous est intéressant. Ce sont des auteurs nouveaux qui ont des sujets singuliers, mais on est dans des films qui ne s'adressent pas a priori, je peux me tromper, mais au plus grand nombre. Voilà. Nous, on a un temps de réponse assez rapide, à savoir un mois. N'importe quel producteur peut nous demander concrètement de lire un scénario et très rapidement et de lui donner une réponse en trois jours. Ça ne me dérange absolument pas. Alors, si c'est trois par jour, ça va me poser un problème d'organisation, mais ça arrive très fréquemment. Voilà.